Vous vous reconnaissez? Vous êtes boulanger à Cronenbourg? Vous travaillez pour l'insertion des jeunes à Haute-Pierre? Vous dirigez une serrurerie au Neuf? Ou encore un espace de coworking au centre-ville? Et vous vous posez parfois une importante question: qu'est-ce que l'Union européenne, apparemment si lointaine, peut faire pour moi? L'Europe, elle a surtout la tête dans les étoiles. Oh, tout de suite les clichés! L'Europe fait aussi des choses très concrètes. Hein? Tenez par exemple, elle a choisi Strasbourg pour y implanter son parlement, c'est dire. Elle a aussi inventé l'euro, et elle peut même vous en donner, si si. Bon, pas directement bien sûr, ça serait trop simple. Elle confie cet argent à une autorité de gestion, l'État français ou la région Alsace, qui le donne à un organisme intermédiaire comme l'Eurométropole de Strasbourg, qui peut à son tour vous en donner à vous, au nom du principe de subsidiarité. De quoi? De subsidiarité. En gros, plus on est proche de vous, plus c'est simple de vous aider. Mais au fait, pourquoi on vous en donnerait des euros? Ben parce que ce que vous faites entre pile poil dans la politique de cohésion de l'Union européenne et dans la stratégie de développement économique de l'Eurométropole. Coup de bol? Vous faites quoi déjà pour mériter ça? Deux possibilités. Vous êtes une entreprise, une association, et vous avez un projet de création, de développement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ou, sur tout le territoire de l'Eurométropole, dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, du numérique, des entreprises créatives, ou encore des espaces de coworking, vous pouvez bénéficier du Fonds européen de développement régional, FEDER pour les intimes. Ou alors, vous êtes une association, une collectivité, une entreprise, et vous voulez agir en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes issues des quartiers prioritaires, des jeunes ou des communautés marginalisées. Exemple, formation en français, préparation à l'embauche, immersion dans le monde du travail. Dans ce cas, vous pouvez profiter du Fonds social européen, FSE pour les initiés. Si vous êtes éligible FEDER ou FSE compatible, en fonction de votre projet, le financement européen peut atteindre 50%. Pas mal, non? Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'Europe apparemment si lointaine? Quand finalement vous avez raison, ne la remerciez pas, c'est tout à fait normal. Eh ben oui, quand on y réfléchit, tout ça, c'est grâce à vous. Si, si. Vous êtes citoyen d'un pays qui contribue au financement de l'Union européenne, qui à son tour peut vous subventionner. Et voilà, la boucle est bouclée. Si vous voulez en savoir plus sur FEDER et FSE, allez donc jeter un œil sur www.europtimiste.eu/fonds-européen. Européen.